まだ幼虫だ。しかしこのエネルギーは人類の役に立つかもしれん。あっ、ヘビーメトロイドが奪われる。緊急指令、スペースハンターサムス・アラン、さらわれたベビーメトロイドを奪い返せ。スーパーファミコンソフト、スーパーメトロイド。Salut les amis, et c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Retro to the Past. Alors cette vidéo ne sera peut-être pas aussi objective que les autres, mon enthousiasme parlera à ma place pour dire que c'est un jeu tout simplement magnifique, avec une bande sonore atmosphérique qui dépasse tout ce que j'ai pu entendre provenant d'une Super Nintendo, ou tout du moins d'un jeu sorti milieu des années 90. Pour expliquer rapidement le scénario de la franchise, on incarne Samus Aran, une chasseuse de primes chargée de faire face aux pirates de l'espace dirigés par une entité appelée Mother Brain. Leur but est assez simple, dominer la galaxie à l'aide de créatures appelées Metroïdes, capables d'aspirer la vie de tout être vivant. Suite à la défaite de Mother Brain et de ses acolytes, ainsi que l'éradication de tous les Metroïdes, Samus est spectatrice de l'éclosion d'un œuf d'où s'échappe un jeune Metroïde, l'apprenant pour sa maman. Celle-ci le capture et confie le nouveau-né à des scientifiques pour des études approfondies. Cependant, la volonté de Mother Brain subsiste et le jeune Metroid est rapidement enlevé par Ridley, le pirate de l'espace. Et c'est à ce moment précis que l'aventure Super Metroid commence le pas en main. Metroid puise la majeure partie de son inspiration du film Alien. C'est vrai qu'il y a des ressemblances par ces créatures létales dans l'espace, une femme qui explore héroïquement un dédale de couloirs étroits et claustrophobiques, tout ça sur une note de survie qui fait appel, au personnage de Ripley et de l'univers des films de Ridley Scott et surtout celui de James Cameron. D'ailleurs, le lead développeur Yoshio Sakamoto, qui aura participé entre autres à la conception de jeux tels que Donkey Kong Jr., Wrecking Crew, Kid Icarus ou encore Balloon Kid, ne s'en cache pas et rajoute même Necronomicon de H.R. Giger dans le lot. Petit aparté, saviez-vous que Samus est inspiré de l'actrice Kim Basinger? Ah, Kim. Enfin bon, c'est juste un détail. Et en parlant de détails, je profite qu'on ne soit pas trop loin dans la vidéo encore pour vous parler de deux choses. D'abord, un grand merci à Psychomog pour m'avoir permis d'utiliser son guide vidéo pour illustrer cet épisode Retro to the Past. Je vous mets en lien sa chaîne dans la description, grandement axée sur des guides vidéo sans commentaires vocaux, comme pour Super Metroid. Ces sujets sont variés comme la Super Nintendo, la Nintendo, la Game Boy, en passant par la Mega Drive ou encore de la TurboGrafx. Thanks a lot, Sakimog, for your help. You saved me from hours of replaying the game and this video might not have been edited without your help. Et ensuite, sollicitez votre soutien simplement en vous abonnant à notre chaîne et activez la cloche pour être prévenu de la prochaine perle rare qu'on vous conseille de jouer sur toutes les plateformes de jeux confondues, du moins celles en notre possession. Voilà, c'était le petit passage comme de la vidéo. Ce qui est certain, à la sortie du tout premier Metroid en 1987 sur NES, les joueurs ont eu la chance d'expérimenter quelque chose de totalement nouveau. Il faut vraiment se resituer dans le contexte de la fin des années 80, où nous sommes loin d'avoir autant de choix qu'aujourd'hui en termes de jeux et de genres. Il était totalement unique pour la sphère vidéoludique, une vraie perle rare qui apportera sa pierre à l'édifice. Imaginez un petit peu. Un vaste monde labyrinthique, de l'exploration, des power-ups permettant de renouveler sans cesse son gameplay, des lieux cachés, des ennemis menaçants, et j'en passe. Ce devait être tout simplement incroyable de vivre ça en avant-première, et je ressens même une pointe de jalousie d'avoir loupé ce tournant. En 1991, Metroid 2 Return of Samus débarque sur Game Boy, mais l'écran monochrome de la machine ne rendait pas vraiment justice à l'univers. Cependant, il introduit de nouvelles idées de power-ups qui vont encore pousser plus loin le gameplay durant la partie et rend par conséquent le jeu très fun tout en chassant les diverses espèces de Metroid. Et pour finir, en avril 1994, Nintendo reprend tous les points forts des opus précédents et améliore la formule exponentiellement sur une cartouche de seulement 24 mégas. Super Metroid est enfin commercialisé et c'est le plus gros jeu Super Nintendo à sa sortie. That's 24 megs worth of weapons, worlds and weirdos, old killers up against Nintendo's biggest game ever. La formule de la franchise Metroid jusqu'ici marche parfaitement.
La balance entre l'exploration et l'action frôle à mon sens la perfection. Ce qui me fait revoir mon classement de mes top jeux favoris, issant Super Metroid, sorti je le rappelle en 1994, développé par Nintendo R&D1 et Intelligent Systems, comme étant sans aucun doute l'une des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai pu vivre durant les 7 heures de jeu pour en venir à bout la première fois. La volonté de Sakamoto pour ce titre est de parvenir presque au stade d'un film interactif où le son et les musiques donnent du corps à l'aventure. À ceci viennent s'ajouter les visuels de toute beauté pour un mélange quasi parfait. Le sound design, lui, reste subtil, il donne toute l'ambiance aux lieux étriqués qu'explore Samus. Minako Amano et Kenji Yamamoto vont créer ensemble les musiques du jeu sur les thèmes déjà créés par Hirokazu Tanaka pour les épisodes précédents. Ils utilisent des instruments acoustiques et synthétiseurs pour leur composition avant de les convertir dans un format digital compatible pour la Super Nintendo. Les musiques sont parfois ténébreuses, voire inquiétantes, et parviennent à évoluer vers quelque chose de plus léger et euphorique. La carte son, elle, est poussée dans ses derniers retranchements pour délivrer une somptueuse bande son digne des grands orchestres, et ce ressenti dépendra des baffles de la télé, en tout cas en 1994. Les boss, eux aussi, ont droit à leur son et musique dédiée, parfait pour ajouter de la tension et rendre les situations beaucoup plus cruciales, ou la moindre erreur pourrait coûter cher. Vous l'aurez compris, la musique est spectaculaire, elle travaille avec les visuels de Super Metroid pour atteindre une synergie parfaite que peu de jeux rétro peuvent se vanter d'avoir conservé jusqu'aujourd'hui. Attendez un petit peu, permettez-moi de vous faire écouter un bref passage en espérant de ne pas être censuré par des algorithmes YouTube-esques foireux. Le jeu est visuellement sombre et oppressant. La planète Zebes sur laquelle Samus atterrit fourmille de vie avec son écosystème complexe et sa faune sauvage. Les sprites, eux, sont d'une beauté à en faire tomber la mâchoire par ses animations tellement fluides et les détails sont là pour embellir tous les décors. C'est vraiment du jamais vu sur Super Nintendo. Je pense sincèrement que je suis devant une œuvre d'art intemporelle créée avec un soin inégalé qui restera figée dans le temps avec toutes les qualités qui lui sont propres. Les laboratoires détruits, la pluie torrentielle sur Zebes et la pléthore d'environnements qui en suit, les palettes de couleurs utilisées, le design des ennemis variés, des boss originaux, son gameplay évoluant à chaque découverte avec sa physique parfois changeante. Bref, le monde 2D paraît vivant et c'est tout bonnement incroyable. Il en va de même pour faire face à la menace qui attend. Samus commence équipée par son simple blaster, mais rapidement trouvera des bombes, des super bombes, des missiles, des super missiles, la morph ball, les lasers divers et variés qui pourront être chargés pour plus de puissance de feu, et geler les ennemis, tirer au travers des murs et continuer de trouver de l'équipement qui augmente son efficacité sur le terrain avec, par exemple, une armure qui permet de faire face à des températures extrêmes, ou encore d'explorer les fonds marins, voir à travers les murs, s'agripper au grappin, courir plus vite, sauter. J'en passe. Rien n'est laissé au hasard et chaque élément trouve son utilité dans le gameplay. À la fin de l'aventure, elle devient la plus grande menace de Zebes et les pirates de l'espace n'ont qu'à bien se tenir. Sakamoto, responsable de créer un épisode Next Gen sur Super Nintendo, ne se repose pas juste sur des jolis visuels et des superbes musiques, mais également sur son game et level design. À titre d'exemple, l'équipe de développement est cruellement réfractaire d'appliquer les méthodes de narration typiques des RPG pour ce jeu, et ne veulent absolument pas imposer du coup de longues instances de narration aux joueurs, mais plutôt, pas le chien, de le laisser découvrir par lui-même ce qui se trame au cœur de Zebes. Cela va l'impliquer bien plus dans son exploration et sa maîtrise du gameplay au point de ressentir un sentiment de fierté d'accomplissement et de confiance ou même de puissance manette en main. Alors que des jeux demandent d'accumuler de l'expérience pour devenir de plus en plus puissants, Super Metroid s'axe sur de l'exploration afin d'améliorer Samus par l'acquisition d'un nouvel équipement, nouveaux bonus, nouvelles capacités, etc.
une énorme satisfaction est ressentie par la découverte d'une relique bien cachée. Je ne peux expliquer le ressenti à chaque fois que je découvrais une statue Chozo, et surtout pour m'accaparer du bonus qu'elle détient entre ses mains. Je pense que je devais faire la même tête. Bon, pour être honnête, il n'y a pas que du bon dans Super Metroid. Ce qui m'aura le plus embêté, sans vraiment être lassant, c'est le nombre d'allers-retours par les couloirs qu'il faudra faire. Il faut comprendre qu'à de nombreux endroits de Zebes, des lieux sont inaccessibles tant que vous n'aurez pas découvert LA capacité adéquate pour progresser. Du coup, il faudra garder en tête ces lieux et y revenir plus tard pour espérer progresser dans l'exploration ou découvrir des power-ups avantageux. C'est là que le gameplay est quand même astucieux. Par ses décors et musiques variées, l'exploration en devient bien moins monotone par de nombreux raccourcis bien placés, à condition d'avoir joué le jeu d'explorer les lieux. Je profite aussi pour parler rapidement de Gunpei Yokoi, le chef de projet par défaut de Super Metroid, une figure emblématique de la R&D 1 de chez Nintendo, assez frustré et inquiet durant le développement du jeu, surtout lors de sa phase finale. En effet, le projet prenant de plus en plus d'ampleur avec des deadlines non maintenues et une cartouche de jeu finale grossissant au fil des mois, le QG de développement, disons-le, devient peu à peu une véritable pension à part entière pour les employés, n'ayant pas le temps de faire le va-et-vient de chez eux. Pour couronner le tout, des heures de travail en plus sont nécessaires pour finir le jeu et le crunch s'installe peu à peu. Gunpei Yokoi, fâché de la situation, ne put vraiment rien faire face à la détermination de l'équipe de développement de créer quelque chose d'extraordinaire dans une cartouche de seulement, je le répète, 24 mégas. On est vraiment loin du poids des jeux d'aujourd'hui, très inégaux les uns des autres en termes d'intérêt. Pour finir, je dirais que Super Metroid est un chef-d'œuvre mondialement reconnu, complet et impressionnant dans son exécution, beau et agréable à écouter à la fois. La surprise est toujours au rendez-vous, le sentiment de solitude est inoubliable, et son gameplay, qui aura inspiré un bon nombre de jeux qui auront tenté de lui arriver à la cheville, reste un modèle encore aujourd'hui. C'est LE jeu sorti au meilleur moment possible à son époque, malgré des ventes, tout ne se fait pas à la hauteur de sa magnificence. Cela s'explique peut-être à cause de son arrivée tardive dans le catalogue de la Super Nintendo en fin de vie. Compétiteur direct à Donkey Kong Country et aux titres imminents de la soi-disante incroyable, stratosphérique 32 bits de Sega, la Saturn. Super Metroid s'est forgé sa propre réputation dans le temps et fait partie désormais des classiques de la Super Nintendo, permettant le développement de nouveaux volets sur GameCube, Game Boy Advance, Wii et 3DS. Et maintenant, j'attends impatiemment celui sur la Nintendo Switch qui devrait arriver, j'espère, bientôt. Samus devient une mascotte importante du catalogue de Big N, on la retrouve notamment dans Smash Bros par exemple. J'ai pris énormément de plaisir à le parcourir et à le découvrir malgré mes premières frustrations, source de mon envie parfois de passer sur un autre jeu et ça aurait été ma plus grande erreur que de poser la manette et ne jamais y revenir. S'il y a un jeu qu'on peut, sans l'ombre d'un doute, déclaré comme l'un des piliers du jeu vidéo, ayant participé à son déploiement, c'est bien entendu Super Metroid sur la mythique Super Nintendo et Super Famicom selon la région. Un jeu recommandé par le coffre du geek si vous recherchez ce qui se fait de mieux en 2D sur cette merveilleuse console. Sur ce, si vous avez des jeux à nous conseiller qui pourraient figurer dans notre catalogue Retro to the Past, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Peut-être bien qu'il s'agira de la prochaine vidéo, et ce serait avec un grand plaisir que de découvrir de nouveaux titres grâce à vous, comme ça a été le cas pour la vidéo Valiant Hearts, merci encore IKTV Gaming, et échanger nos expériences dessus. Allez, je vous laisse, et je repars dans mon coffre pour finir ce superbe, non pour le moins controversé, Cyberpunk 2077. Allez, ciao tout le monde.